Vite, il faut sauver Pouessin. Ce quartier non loti, rattaché à la commune de Comme-Silga, risque d'être enclavé dans les jours à venir si rien n'est fait pour sauver son pont d'accès. C'est la voie la plus courte qui relie la centrale électrique de Comme-Silga à l'hôpital de Tenganougo. L'infrastructure de franchissement menace de céder, un état de dégradation accentué par les récentes pluies. Le constat d'Archimède Boy. Le pont d'accès au quartier Pouessin, non loin de l'hôpital Tenganougo, est sur le point de céder. Les riverains sont inquiets car c'est le passage qui leur permet de rallier rapidement le cœur de la ville de Ouagadougou. Cette zone à habitat précaire, communément appelée non lotie, relève de la commune de Comme-Silga. Et le premier responsable de la commune est interpellé. Nous appelons vraiment le maire de Comme-Silga de réagir, de nous venir en aide, voilà, de venir mettre en place des ponts qui puissent permettre le passage de l'eau facilement pour que même s'il pleut, les populations puissent vaquer normalement à leurs occupations. Les populations puissent rejoindre la ville facilement. Ce tronçon est important car il permet aussi d'atteindre la centrale électrique de Comme-Silga en passant par l'hôpital Tenganougo. Les gens de la Sonabel, là, ils ont même des gros porteurs. Donc on peut dire que c'est à cause de ces gros porteurs-là même que cette route-là même est dégradée. Voilà, donc si eux aussi pouvaient nous venir en aide, comme eux aussi pratiquent cette voie-là, voilà, ça pourrait contribuer aussi à réhabiliter cette voie-là. Une partie de la voie rongée par les eaux de ruissellement occasionne son rétrécissement. Et lorsque les usagers se rencontrent, certains doivent marquer l'arrêt. En attendant la réaction de la municipalité, les habitants du quartier s'attellent à réunir certains matériaux, comme ces pierres, en vue de colmater les brèches.